Démarrer. Bonjour à tous, alors bienvenue à cette conférence. Donc ce soir on accueille donc Solène et Robin qui sont du studio de typographie Black Foundry et ils viennent nous parler de toutes les étapes d'une création d'une typographie. Voilà, et donc aujourd'hui ils vont inaugurer le cycle de conférences que l'on met en place à l'ECV Design Paris de façon mensuelle. Et donc il y aura ces conférences tous les mois. Celle d'aujourd'hui, elle se déroule dans le cadre de France Design Week, donc qui se déroule cette semaine. Voilà, et donc je peux déjà vous annoncer la prochaine conférence qui aura lieu le mercredi 26 octobre et qui sera animée par Sébastien Hayes, qui est un contributeur du magazine Étape et qui viendra nous parler de l'histoire des logos et donc des logotypes. Voilà, ça sera pour dans un mois. Voilà, je vais laisser la parole à Solène et à Robin. Merci. Merci. Eh ben, bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'être venus aujourd'hui. Oui, merci. On est content en tout cas d'être là avec vous. Et donc, merci de, nous accueillir dans votre école. Aujourd'hui, on va partager avec vous un petit bout de notre travail, donc un petit bout de notre quotidien autour du milieu de la typographie. Et pour cela, on va vous présenter un projet sur lequel on a collaboré avec Solène. Mais avant ça, voilà, on va se présenter un petit peu. Donc Solène, qui est ici, est typographe. Est-ce que tu peux... Et Robin est graphiste. Ouais. Mais avant ça, commençons par faire un petit peu connaissance. Vas-y. Donc, comme l'a dit Robin, je m'appelle Solène et j'ai fait mes études à l'école Estienne en tant que étudiante en typographisme. J'ai aussi l'habitude de travailler accompagnée de chats. Et j'ai une passion pour les systèmes d'écriture étrangers et expérimenter des formes en dehors de l'ordinateur aussi par un petit peu de technique, un petit peu de matière. Donc là, il s'agit de Devanagari, donc une écriture indienne. C'est des choses que je fais à côté du travail. Et quant à moi, je m'appelle Robin et j'ai fait mes études à l'ESAD d'Amiens et ensuite aux Arts Déco de Paris. J'aime bien dessiner. Je dessine souvent des petits bonhommes un peu ridicules comme lui. Et j'ai un peu une obsession pour les livres d'art. Du coup, quand je vais dans une librairie, je pète rapidement un petit câble et j'ai envie de tout acheter. Voilà, ça représente 5% de ce que j'ai. Et ensemble, on travaille pour une fonderie typographique donc, qui s'appelle Black Foundry et qui est basée à Paris. Dans notre équipe, il y a environ une vingtaine de personnes. Certains viennent de Chine, d'autres d'Italie, d'autres du Pays-Bas. Et certains sont bretons, comme Solène, juste. Et donc, la majeure partie d'entre nous sommes type designers, mais on a aussi donc, un graphiste, Robin, des directeurs artistiques, des font engineers et donc des développeurs web. Et cette configuration d'équipe, elle nous permet de répondre à des demandes qui sont d'ordre souvent aussi international. Donc les projets pour lesquels on nous sollicite, ils font appel à notre double expertise qu'on va nommer Type et Tech. Type, en fait, ça désigne tout simplement le fait qu'on dessine des typographies. Et il y a trois cas de figure qui lancent ce type de projet. Donc on va vous les présenter rapidement. Le premier, c'est lorsqu'on répond à une commande d'un client qui souhaite qu'on lui fasse une typo sur mesure. Donc cette typographie-là, elle sera réservée à son usage unique et donc il n'y a aucune autre entreprise qui pourra l'utiliser. On appelle cela des projets custom. Et donc là, par exemple, ce que vous voyez à l'écran, c'est une typographie qu'on a pu réaliser pour Renault, donc la typographie Nouvelle Ère. Cette typographie, c'est une nouvelle voie pour Renault, une nouvelle identité qui a été reprise sur pas mal de supports de communication.
Par exemple, on a des affiches sur leur site internet et sur des campagnes de communication. Donc, ouais, là, il y a un spot publicitaire, par exemple, où on peut voir la typo qui est mise en contexte. Donc, ça, c'était pour le premier cas de figure. Maintenant, le deuxième cas de figure dans lequel on va dessiner une typographie, ça va être un contexte où on va se détacher de toute commande extérieure. Ça peut être, par exemple, initié par une inspiration personnelle. Et donc, c'est vraiment un type de projet sur lequel on va vraiment se faire plaisir par rapport au projet d'avant où on a des commandes de clients. Là, c'est donc des commandes personnelles quelque part pour la fonderie. Et les typos, elles sont créées de cette façon et ajoutées ensuite à notre catalogue que vous pouvez voir. Donc là, c'est un aperçu de notre site web. Et donc, elles sont disponibles à la vente pour tout le monde sous différentes formes de licences. Et donc, ce type de projet, c'est des projets qui sont nommés retail. Et donc, le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui fait partie de cette catégorie. Donc, voilà pour le deuxième cas de figure. Et enfin, le troisième, ça va être lorsqu'un client a besoin qu'on travaille à partir d'une typo qui existe déjà. Donc, par exemple, on va changer des aspects du design ou ça peut être aussi juste agrandir la typo en rajoutant des caractères. Si jamais il y a des termes que vous ne comprenez pas, parce que je ne sais pas si tout le monde est en classe de graphisme ou en master typo, n'hésitez pas à demander, à dire c'est quoi un caractère typographique si jamais ça passe pas. dans cette catégorie-là aussi, quand on ajoute des caractères à une fonte, par exemple, on peut imaginer qu'un client a une typo, mais qui a juste des caractères latins, et ils vont nous contacter pour dessiner le cyrillique, l'arabe ou le chinois. Donc ça va vraiment être une de nos spécialités, en fait, aussi. Et souvent, on nous contacte aussi pour développer des caractères CJK. CJK, ça veut dire Chinese, Japanese et Korean. Et donc voilà pour la partie type. Est-ce que tu peux présenter la partie tech ? Oui. Notre deuxième spécialisation, c'est la partie tech. Et donc la tech, c'est l'abréviation de technologie. Parce que même si en fait on va dessiner des lettres, on va avoir besoin de cette partie technique pour permettre de créer des polices plus performantes. Et notre spécialisation, ce sera de créer des outils qui vont nous aider à développer des typographies. Et donc, c'est cet aspect de font engineer et de développeur web qui est mis en service, en plus des type designers à ce moment-là. Donc, par exemple, on nous a missionné pour ajouter des caractères chinois à une typographie déjà existante. Sauf que le chinois, ça représente à peu près 27 000 caractères. On a déjà dessiné 45 000 caractères pour du chinois, donc c'est assez conséquent par rapport au latin qui, lui, est plutôt entre 500 et 600 caractères. À ce moment-là, on va dessiner d'une manière un peu différente. Et on a essayé de mettre au point un logiciel qui nous permet d'aller un peu plus vite en décomposant le système et donc qui nous permet de simplifier et d'accélérer la création des caractères chinois. Donc ça, c'est un petit peu abstrait comme ça, mais c'est vraiment juste un exemple pour vous montrer que la partie tech, elle est vraiment présente chez Black Foundry. Voilà. Du coup, je pense que vous connaissez à peu près tous les différents projets qui rythment notre quotidien chez Black Foundry. Et du coup, aujourd'hui, on s'est dit que ça pouvait être cool de vous présenter un projet retail. C'est les projets pour lesquels on démarre d'une inspiration personnelle, par exemple. Donc, c'est complètement détaché d'une commande d'un client. Et donc, on va vous expliquer un peu les étapes qui accompagnent la création de ce type de caractère typographique. Donc, on va vous expliquer, par exemple, comment on passe du croquis au développement d'un design typo qui soit cohérent et fonctionnel. Et de quelle façon on met en valeur une typographie dans une stratégie de communication ludique. Et pour commencer, du coup, c'est Solène qui va vous expliquer la partie développement typo. Et en fait, Robin, il enchaînera sur la création d'une campagne de communication Made in Black Foundry. À toi. Je vais m'asseoir sur cette chaise et t'écouter désormais.
D'accord. de mon côté, je vais vous emmener un petit peu sur les traces de la création d'une famille typographique développée chez Black Foundry. Et on va retracer un petit peu les étapes clés de la création. Donc je vais passer assez rapidement sur certaines choses, sur certains détails techniques, mais on va surtout voir les grandes étapes. Donc cette famille, c'est Gito. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble ici. C'est ce genre de caractère. Et donc, avant d'avoir la finalisation, on a des questions qui sont comment est-ce qu'on va créer une typographie retail ? Et donc, généralement, les projets ils débutent avec des envies, des intuitions et surtout beaucoup d'amour pour les formes. Et donc, en retail, c'est vraiment une histoire de se faire plaisir par la création d'un caractère. Ce qui a motivé la création Digito, c'est un logo. Donc, on est parti de ce petit élément, le logo Ferrari. Et aussi un attrait pour les formes vernaculaires en Italie. Donc, Ferrari étant aussi italien comme marque. Là, on peut voir un agrandissement du logo. Ce qui nous a plu sur ce logo, c'est son esprit mécanique et robuste. On a des formes qui sont stabilisées par des empannements rectangulaires imposants, comme on peut le voir sur cette lettre F, ici, encadrée. Et on a des fortes tensions sur les lettres rondes, comme par exemple sur le E, le A. Cette histoire d'empattement massif, brut, dans son dessin, c'est typique d'une grande famille typographique, donc les égyptiennes. Et égyptiennes, c'est en fait le petit nom qu'a donné Francis Thibaudeau à cette grande famille de caractères dans sa classification typographique, qui vise à classer les caractères en fonction de leur forme d'empattement. Donc là, l'empattement, c'est un bloc rectangulaire. Quelque chose d'assez massif, d'assez imposant. Et ce style typographique, il apparaît au début du 19e siècle en Angleterre. Là, on peut voir quelques bouts d'affiches typographiques qui sont composés presque exclusivement de caractères. Et ces caractères, ils sont très expressifs et souvent très grand corps. Et c'est aussi ça qui nous plaisait. C'est cet aspect élastique, expressif et message choc. Donc là, vous avez d'autres exemples. Et c'est quelque chose qui est très visuel. Il y a un petit côté western là-dedans aussi. Et donc, pour le plaisir des yeux, voici quelques pages de super spécimens que j'ai pu feuilleter récemment, où on voit justement des typographies de type égyptienne. Et donc, on a aussi un spécimen d'Eberny et Peignot. Donc, c'est vraiment une grande famille avec différents types d'applications pour cette idée de typographie égyptienne à empattement massif. Donc, à partir du moment où on a des envies, il suffit après de se donner un petit peu des critères, de poser des idées pour orienter le propos, parce que tout est possible. C'est la partie la plus satisfaisante du travail. On va commencer à dessiner, on va commencer à créer. Mais il faut cadrer un petit peu cet élan créatif. Et donc, pour ça, on se donne des critères. Et pour les critères, on se pose en généralement les mêmes questions pour tous les projets. Donc, à quoi pourrait se destiner cette famille ? Quels sont les ingrédients essentiels que je dois garder en tête ? Et comment je visualise la famille globalement ? Là... Pour l'usage, on s'est dit que Egito serait une police de titrage, donc pour composer du texte plutôt court et des visuels, plutôt que pour composer du texte long. En termes d'ingrédients de base, on se demande quels sont les ingrédients qui vont faire qu'on va avoir une bonne recette à la fin. Et donc là, notre ingrédient il est plutôt simple. On s'est dit, bon, on va faire une typographie de type égyptienne, avec un aspect très robuste, très mécanique. Et enfin, la dernière question, c'est de penser un peu globalement. On va dessiner une typographie, d'accord, mais qu'est-ce qu'elle va comporter ? Comment est-ce qu'elle s'organise ? Est-ce qu'elle est réduite en termes de style ? Ou alors est-ce qu'elle est étendue ? Et nous, on s'est dit qu'on allait partir sur une super famille.
Parce que comme on a pu le voir juste avant sur les affiches publicitaires, ce qui est intéressant, c'est que les lettres, elles s'étirent un peu dans tous les sens. Et ça, ça nous a parlé tout de suite. Donc on s'est dit qu'on voulait beaucoup de cousins, de parents, de styles. Et cette typographie, elle est aussi prévue pour du titrage. Donc ça colle super bien avec l'esprit d'avoir une élasticité graphique. Donc voilà notre tout premier espace de design. Donc quand on parle d'espace de design ou de design space, on parle de ce genre de schéma. Donc ça, c'est le premier schéma qu'on a fait pour visualiser un petit peu à quoi allait ressembler notre typographie. Il nous permet d'avoir une vision globale de la famille. Donc là, on s'était dit qu'on allait partir d'une version plutôt condensée pour aller vers une version extra large et donc d'avoir aussi plusieurs graisses avec une version extra light et une version extra bold. Donc là, on a les deux axes. Est-ce que je vous dérange par rapport à ce qui est projeté derrière ou pas ? Ça va ? Ok. Et donc, ces deux axes, ils nous permettaient aussi de penser en termes d'italique, d'oblique. Et on a envie d'avoir une typographie qui soit aussi une italique et qui reprenne ce même schéma. Donc, c'est exactement le même schéma, mais en version italique. Donc on s'est dit qu'on allait conserver le même esprit pour l'italique. Et au final, voilà ce que ça nous donne. Au début, on part avec ça. On part avec une lettre et une petite constellation de lettres. Donc c'est un petit peu complexe, vu comme ça, à imaginer. Mais voilà ce que ça peut donner en termes d'axes de variation, en termes d'étendue de la famille. Donc ça, c'est le résultat final. Et je vais vous expliquer comment on en est arrivé là. Donc cette typographie, elle a été prévue dès le début pour être une typographie de type variable. Donc pour aller d'un extrême à un autre, on va aller d'un extra light à un extra bold, d'un extra condensé à un super étendu, et d'un romain à une oblique. Et en fait, si je parle en termes d'axe, c'est parce que Egito, donc c'est une typographie variable. Et une typographie variable, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un fichier unique qui va combiner plusieurs typographies, donc de plusieurs styles. Et ça a l'avantage d'être un fichier qui pèse aussi moins lourd en termes de données. Donc c'est une typographie unique avec plusieurs axes. Ensuite, une fois qu'on a ses premières intentions, ses premières idées de design, de manière de voir la famille, on rentre dans la création. Et c'est le moment le plus satisfaisant, donc d'effectuer des recherches formelles pour répondre aux différents critères qu'on a pu poser. Donc il s'agit surtout de mettre dans un premier temps nos idées qu'on a dans nos têtes sur papier, pour ensuite trouver les bons ingrédients. Et donc c'est une étape qui est plutôt subjective. Là, c'est vraiment histoire de sortir tout ce qu'on a dans le cerveau. Et ça va nous servir à partager ces idées avec l'équipe et à échanger. Donc de ces premiers croquis, on va sortir des choses qui nous plaisent et on va essayer de les redessiner sur ordinateur, sur logiciel de dessin de caractère. Donc là, vous avez un aperçu de RoboFont, qui est le logiciel qu'on utilise. Donc à gauche, vous pouvez voir une lettre dans sa fenêtre de caractère. Et à droite, vous avez la typographie complète. Donc en fait, la typographie, c'est un ensemble de petites cases, comme on a ici, qu'on va compléter une par une, et qui va fonctionner de manière cohérente. Donc une fois qu'on a... dessiner quelques lettres. Donc on va commencer en général par dessiner seulement certaines lettres. On va essayer de trouver un système qui soit formel, cohérent et qui va répondre à nos envies. Donc ici, il s'agit surtout de trouver des caractéristiques essentielles. On peut voir plusieurs essais avec des orientations de design différents. Donc on a par exemple différentes formes de A avec ou sans goutte. On a des formes plus ou moins ouvertes pour le R.
on a des rendus aussi qui sont plus ou moins mécaniques, créés par des tensions sur les lettres rondes plus ou moins lâches. Donc, et on a aussi des contrastes entre les pleins, les déliés, qui sont plus ou moins importants. La dernière image du R, par exemple, il a un contraste assez important entre plein et délié, quand le deuxième est un peu plus léger et le premier est encore plus léger. Ces essais sont faits à l'échelle individuelle du signe dans un premier temps. Et donc, à partir de certaines lettres, on va pouvoir essayer de les appliquer sur d'autres formes de lettres. Donc là, vous avez trois essais différents. Et l'idée, c'est de créer du lien entre toutes ces lettres à partir d'un paramètre qu'on aura exprimé sur un R, par exemple. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut retrouver ça ailleurs. On va essayer de voir comment est-ce que les courbes vont être gérées de la même manière en fonction des lettres. Et donc, une fois qu'on a fait ces premières recherches formelles sur quelques signes, on a une idée de ce qu'on veut obtenir. Donc là, c'était vraiment des croquis, mais sur ordinateur. Et on va pouvoir procéder au déploiement de la famille. Donc je vous propose de parcourir les étapes clés du développement. Donc là, on rentre vraiment dans l'action, on rentre dans le design de Egito. On va commencer par dessiner les extrêmes. Donc tous les extrêmes de notre espace de design. Donc l'espace de design, c'est ça. Et on va commencer ici par dessiner l'extrême donc le plus maigre et le plus condensé. Donc l'extra light condensé. Et nos extrêmes, ça va être ces quatre points-là. Ça va être les valeurs les plus éloignées sur lesquelles on va aller dessiner. Et en fait, c'est assez subjectif de partir de l'extra light parce qu'on aurait très bien pu partir de l'extra bold. Mais là, c'était un choix, on a commencé comme ça. Donc, on a repris nos croquis d'ordinateur et on a commencé à mettre au point quelques lettres. Et en général, quand on dessine, on va dessiner ces lettres-là en premier. Donc, on va dessiner le N et le O pour les bas de casse et on va dessiner le H et le O pour les capitales. Et donc, ces lettres, elles sont assez essentielles pour développer le reste de l'alphabet. Parce qu'elles sont constituées en fait, de modules qu'on va pouvoir réutiliser. Et elles vont nous permettre aussi de régler les interlettrages. Les O donnent des indications sur les tensions des lettres rondes. Donc ces indications-là, il va falloir qu'on les retrouve dans d'autres lettres. Le H, lui, et le N, ici, sont constitués de droite, verticale et horizontale. Donc là, ce sont les empattements. La valeur des empattements, il faudrait que ce soit la même partout. Le N, lui, il a un délié ici, donc entre sa jonction du fût et de la ronde. Donc le contraste qu'on a sur ce N-là, il va falloir le retrouver ailleurs, sur d'autres lettres qui ont ce même type de jonction. Et donc... au final, on va avoir des indications sur la graisse, sur les fûts, sur les horizontales, sur leur rapport aux rondes, et on va pouvoir recycler ces principes pour composer nos autres lettres. Là, on a un aperçu des modules que ça nous donne, juste sur ces quatre lettres. Et en fait, Egito est voulu comme étant une typographie très robuste, très mécanique. Et ce côté mécanique, là, on va s'en servir pour dessiner notre... jeu de caractères de base. Donc, quand je dis jeu de caractères de base, c'est l'alphabet latin. Donc, l'alphabet latin plus les chiffres. Et l'idée ici, c'est d'aller au maximum copier-coller des bouts de forme pour les recycler. Et donc là, on peut voir que les rondes vont nous servir à faire toutes les lettres rondes. Et de même pour les bas de casse. Et on va recycler ces éléments, les ajuster. Donc, pour pouvoir obtenir un design qui soit cohérent et consistant. Donc, à partir de certaines lettres, on peut développer beaucoup de lettres, au final. Et tout est après question d'ajustement. Et ajustement optique,
Donc là, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va regarder si les proportions qu'on a choisies sont les bonnes. Donc là, en termes de proportions verticales, on va pouvoir voir que la hauteur des capitales est égale à la hauteur des ascendantes et que cette même hauteur est égale pour les descendantes. Et donc la hauteur d'X ici sera assez importante. Donc rapidement, on se crée comme ça quelques lettres, on les développe et on se donne un aperçu de l'ensemble du système. Et donc pour se donner cet aperçu-là, on va composer du texte et on va voir un petit peu comment on peut ajuster certaines choses. On va se demander si tout est cohérent. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est une page de feedback. Et donc là, sur ce feedback, on a des commentaires qui sont faits par des membres de l'équipe qui ne travaillent pas forcément sur le projet en même temps. Donc on va avoir un regard un peu neutre là-dessus. Et on va pouvoir échanger plusieurs fois comme ça avec, avec des membres de l'équipe pour avancer et pour développer le design. Jusqu'à trouver quelque chose qui nous convienne et qui soit satisfaisant. Et en termes de cohérence ou de consistance du design, voilà des exemples d'éléments qui ont pu être assez déterminants dans le design digitaux. Donc on va avoir cet aspect très mécanique ici. On va avoir une sortie un petit peu plus originale sur la lettre K. Et donc on va essayer de la recycler dans une autre lettre, donc là le R. On va avoir cette valeur de jonction, sur, donc de délier, sur les lettres rondes. Et on va avoir ici, sur les bas de casse, les mêmes éléments qui vont devoir s'appliquer. On va avoir des tensions qui vont être les mêmes entre toutes les lettres rondes. On va avoir une tension un peu plus importante sur le S qu'on va essayer de retrouver ailleurs, donc on va l'avoir sur le G aussi. Donc on va ajuster tout ça. Et on va avoir des sorties qui vont être similaires sur le C, sur le E. On va avoir ces déliés qui seront similaires au capital. Donc, l'harmonie des formes, elle doit se trouver entre les capitales et entre les bas de casse. Et donc on va voir comment est-ce qu'on peut injecter un élément d'une casse à une autre. On va faire des essais pour voir où est-ce qu'on peut les injecter. Par exemple, le S et le G vont avoir des tensions assez fortes. Et donc les O vont aussi être optiquement similaires en termes de tension. Et donc tout en dessinant, c'est important de trouver le bon interlettrage. Parce que l'interlettrage, l'espace entre les lettres, c'est ce qui va nous permettre d'asseoir un peu la typographie et de la laisser s'exprimer un peu plus. Donc une fois l'extra light condensé sur la bonne voie, on peut aller dessiner quelques signes donc à son opposé en termes de graisse. Et donc c'est l'extra bold condensé ici qu'on a choisi de développer par la suite. Donc l'extra bold condensé, le but du jeu, ça va être de retrouver un petit peu des éléments qu'on a dans l'extra light et de voir comment ça peut faire famille, comment ça peut être cohérent. Et donc là, on voit une page de feedback aussi sur cette version. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les types de choix qu'on va opérer sur les empattements entre l'extra bold et l'extra light. Et donc on va voir par exemple qu'on a certaines caractéristiques qui doivent être reprises, donc d'une graisse à une autre. Et le truc, c'est que quand on dessine un extra bold, on dessine pas du tout de la même manière qu'un extra light, parce que l'extra bold, ce qui va compter, c'est les contreformes. Alors qu'un extra light, ce sera plutôt le blanc qu'on va voir. Enfin, le blanc entre les lettres, on va voir le noir plus finalement. Donc il faut ici trouver un petit peu comment faire lien entre les deux graisses. Et pour ça, on peut regarder ce qui se passe au centre.
en interpellant pour voir si nos choix sont cohérents. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interpolé. Et donc l'interpolation, c'est un procédé numérique qui nous permet, à partir de calculs mathématiques de points, d'aller voir ce qui se passe entre les deux extrêmes. Et ça, c'est assez utile pour voir si un design y fonctionne. Donc on a souvent des allers-retours comme ça, on va regarder un petit peu ce qui se passe au milieu, voir si c'est cohérent ou pas. Et donc en termes d'interpolation, il faut que l'interpolation, ça matche en fait entre les deux extrêmes qui sont dessinés. Donc là, sur la lettre A, on a une structure de lettres en haut qui n'est pas cohérente entre les deux graisses. On a des points qui sont placés à différents endroits, ce qui fait qu'au milieu, on ne va pas pouvoir avoir une interpolation. Et en bas, on a les points qui sont bien placés, et donc là, cette fois-ci, on va pouvoir interpoler. Et donc, pour le dessin de cette typographie, il fallait que les structures des lettres d'une graisse à une autre, elles soient exactement similaires. Donc, en termes de répartition des points, en termes de structure globale de la lettre. Et donc, on peut aller tester l'intermédiaire en texte pour voir ce que cela donne. Et ça, on va le faire plusieurs fois. On va ajuster une fois qu'on aura trouvé quelque chose qui pose un peu problème. Ce sera une des deux graisses extrêmes qu'on va aller corriger. Et on va réinterpoler pour voir ce qui se passe au milieu. Et donc, on continue un peu notre développement avec la version étendue. La version étendue, on est parti aussi sur l'extra light. Et cet extra light, tout comme le condensé, il a à peu près les mêmes valeurs en termes de graisse. Donc c'était quelque part un peu plus facile de commencer par ça. Et la question ici, c'était surtout de savoir jusqu'à quel point on veut étendre la lettre. Donc on a fait quelques essais pour trouver la bonne valeur, de manière numérique aussi, avec un petit outil qu'on a chez Black Foundry. Et donc pour Egito, on a décidé de partir plutôt loin. Et une fois qu'on a choisi notre valeur maximale d'extension de la lettre sur l'extra light et qu'on a dessiné quelques lettres, on va pouvoir aller rapidement voir ce qui se passe sur l'extra ball, qui va être un petit peu plus un challenge parce qu'on a un rapport de graisse qui va être assez différent. Donc là, on peut voir qu'il y a trois essais différents qui ont été faits. Et donc là, par comparaison avec notre version condensée, on voit qu'il y a des choses qui marchent plus ou moins bien. On voit qu'en haut, par exemple, les tensions dans le E, elles sont pas assez fortes. Donc le E est beaucoup trop rond et aussi beaucoup trop gras. On voit que la lettre au milieu, le E, est peut-être beaucoup trop gras aussi. Et donc on voit qu'en dessous, on a des tensions qui sont plutôt OK et on a une graisse qui s'approche de la version condensée. Et donc on a vraiment cet effet de lettre étirée. Avant, on avait plutôt un effet de lettre engraissée. Et donc au final, c'est ce qu'on a choisi de développer. Et donc pour voir un peu comment ça fonctionne, on peut mettre tout ça en interaction. Donc là, on a un mélange de la chasse condensée et de la chasse étendue. Et là, ce qu'on va regarder, c'est si c'est cohérent en termes de graisse aussi. On voit que les graisses sont à peu près les mêmes. C'est forcément un peu plus gras dans la version étendue pour que optiquement, ce soit similaire. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dessiné nos quatre extrêmes. Donc les opérations que je vous ai présentées juste avant sur l'extra light, en gros, c'est un peu les mêmes sur les quatre extrêmes. Et une fois qu'on a dessiné notre jeu de caractères de base sur ces quatre extrêmes, on peut aller regarder ce qui se passe entre les extrêmes. Donc là, on voit qu'on a une première vision de la famille qui est créée avec des choix d'interpolation. Donc on a choisi d'aller sur certains points créer des typographies qui vont avoir des valeurs un peu différentes en termes de graisse, en termes de chasse. On va avoir un peu un dégradé de graisse et de chasse.
Donc, une fois qu'on a toutes ces cases du roman qui sont remplies dans ces extrêmes, on va pouvoir développer la version oblique. Quand je parle de version oblique plutôt que de version italique, c'est parce que c'est une version qui est purement penchée de la typographie, alors que l'italique suggérerait peut-être plus un redessin. Et ici, on a vraiment choisi d'aller pencher les lettres. Donc, on a ce même espace de design dont je vous ai déjà parlé. Et là, la question, c'est de savoir jusqu'à quel point on a envie de pencher les lettres. Donc, on va aussi aller tester numériquement, voir ce que ça donne. Et donc, nous, on a volontairement décidé de pencher toutes les lettres, même le A, sans redessiner spécialement le A, pour que tout reste dans le principe de la fonte variable compatible. On a choisi un angle de 10 degrés ici. Et cette opération de pencher les lettres, elle se fait numériquement avec nos outils, dans un premier temps. Et dans un second temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ce qui a été penché mécaniquement pour les corriger. Et donc là, quand on va corriger les lettres rondes. Donc c'est les lettres rondes qui vont nous poser des problèmes en termes de slant. Et ici, on peut voir que les tensions sont les mêmes entre la version romaine et la version oblique. Et donc là, on a la vision de la même famille, toujours, et donc cette fois-ci en version italique. Et en termes de design, de dessin, une fois qu'on a fait notre latin de base avec les chiffres, il nous reste une bonne partie de la typographie à dessiner, parce que pour qu'une typographie fonctionne, il manque quand même pas mal de choses ici, notamment les accents, parce qu'on utilise pas mal d'accents en français. Il y a aussi beaucoup d'accents dans d'autres langues européennes qui vont utiliser du latin, et donc qui vont nous servir à exprimer différentes choses. Les accents ici, ils ont été voulus comme étant assez secs pour correspondre avec le design digitaux. On a des symboles qui sont monétaires, mathématiques. On a de la ponctuation. Le tout doit faire corps avec l'alphabet développé. Et en fait, on doit avoir une sensation de lien de parenté entre tous ces éléments, avec les lettres qu'on a dessinées précédemment. Et on doit avoir le sentiment que tout appartient à un seul et même système. Donc là, vous avez, par exemple, la version régulière digitaux. Et on peut voir ce que contient le 7 caractères. Donc au final, ce sera un peu plus de 500 caractères ici. Et donc, une fois qu'on est arrivé là, on a fait une grande partie du chemin. Et on va devoir ajuster encore quelques petits détails par le kerning, donc le crénage des paires. Donc le kerning, qu'est-ce que c'est? En gros, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des espaces assez importants entre les lettres A et V, A et T. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas régler quand on gère nous-mêmes l'interlettrage, parce que l'interlettrage, il va être appliqué pour que les lettres, elles fonctionnent globalement. Et là, on a des combinaisons de paires qui ne fonctionneront pas, peu importe ce que l'on fait, notamment le A et le V. Il va donc falloir les ajuster. Donc là, on peut les ajuster en regardant et en enlevant un petit peu des valeurs d'interlettrage, mais seulement pour cette paire. Et donc c'est ça le principe du kerning, c'est d'aller regarder toutes les combinaisons de lettres possibles et de leur enlever un petit peu de valeur pour voir à quel point on a envie de serrer, de compacter le design. Et on va donner ces règles-là seulement à certaines combinaisons de lettres. Et donc le tout, c'est de faire bloc. Et donc là, Digito, c'était d'avoir quelque chose d'assez robuste, d'assez imposant, et donc la sensation un peu radiateur. Et ici, on peut voir l'effet que ça donne après kerning sur les capitales. Et le kerning, on va aussi l'opérer sur les bas de casse et sur tous les éléments qui vont interagir entre eux potentiellement dans la typographie. Et donc, une fois que le kerning est fait, on peut générer les fichiers de fonte.
et les transmettre ensuite à notre graphiste pour qu'il puisse mettre en scène cette typographie. Donc, je te laisse la parole. Ouais, du coup, quand Solène m'envoie la typo, en fait, elle n'est pas totalement terminée. Elle est sur le point d'être terminée, mais il y a souvent des ajustements qui vont être faits. Et quand on vient me voir, en général, c'est que la typo, elle va sortir dans un mois à peu près. Donc là, le travail que je vais vous présenter, je le fais, mais à côté d'autres missions. Et en gros, ma mission, ça va être justement de créer une campagne de communication qui soit assez cool et qui puisse présenter notre typo de manière ludique et accessible. Et le but, en fait, ce sera que tous les gens qui vont regarder cette typo puissent la comprendre. Donc autant les gens qui sont dans le milieu de la typo que les gens qui ne connaissent rien du tout. Et pour ça, Black Fondry, donc notre entreprise, elle a sa petite recette. Puisque quand on sort en fait une typo, c'est un peu comme une fête pour nous, puisque ça prend quand même pas mal de temps. Et ben, on aime bien offrir une belle enveloppe de beaux habits à notre nouveau-né. Du coup, voilà, c'est à peu près ça ce qui se passe. On a une typo et moi, je leur ajoute un petit chapeau pour qu'elle soit un peu stylée. Donc là, bon, je ne suis pas sûr que ce soit hyper stylé, le chapeau, mais vous comprenez l'idée. Et du coup, pour l'occasion, on va créer de véritables identités graphiques autour de nos typographies. Donc là, par exemple, c'est celle que j'ai faite pour une typo qui s'appelle Rotten, qu'on a sortie il y a, je sais pas, un an et demi. Donc, ce qui était cool, c'est que là, en plus, j'ai pu intégrer des petits dessins à l'identité et voilà, proposer vraiment quelque chose qui soit cohérent avec les formes de la typo qu'on va vendre. Et puis, en plus, j'ai pu... voilà, vous pouvez voir aussi le petit bonhomme en haut à droite, là, petit bonhomme poilu. J'ai pu faire des trucs un peu foufou. Et ces identités-là, en fait, elles vont constituer un vrai fil rouge tout au long de notre campagne de communication. Là, par exemple, c'est encore une autre identité, c'est Tosh, carrément différente de la précédente, beaucoup plus expérimentale, avec des matières un peu étranges, et donc là, qui se rapproche aussi du côté expérimental de la typo, en fait. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous expliquer en fait, ce que j'ai fait pour Egito, dans ce cadre-là, de créer une campagne de communication. Et pour ça, je vous propose de vous mettre un peu à ma place et on va suivre ensemble les étapes de création par lesquelles je passe en fait. Donc, alors, en général, mon travail il commence simplement par une phase d'observation. Ça fait plusieurs mois que je peux voir des typos apparaître sur nos dizaines d'écrans d'ordi. Elles évoluent plus ou moins rapidement. Et par exemple, Egito, elle a mis quand même pas mal de temps à être développée, donc j'ai bien eu le temps de la voir sur les écrans. Mais en fait, ce temps-là de maturation, il est hyper intéressant pour moi parce qu'il me permet de faire plusieurs choses. Déjà, c'est de commencer à appréhender ces nouvelles typos qui apparaissent. Ça me permet aussi de commencer à parler avec les typographes pour essayer de comprendre le projet. Et puis aussi, à force de les voir, je commence à mettre des mots-clés et des adjectifs, par exemple, sur ce que je regarde, sur les formes. Donc, je ne sais pas, est-ce que la typo, je la trouve élégante, je la trouve impactante, marrante. Ça va être tous ces mots-clés-là. Et puis, vient le moment où on programme vraiment la sortie de la typo. Donc, c'est un peu le moment fatidique. C'est là où je vais vraiment commencer mon travail à produire des images. Donc là, il y a un espèce de compte à rebours imaginaire qui est lancé dans ma tête, qui ressemble vraiment à ça. C'est un peu agressif. Et c'est vraiment en rouge comme ça dans mon... donc rapidement, là, il va falloir que je propose des idées de pistes d'identité graphique qui vont présenter la fonte, donc ici Egito. Et avant de commencer à esquisser des idées ou à produire des images, en fait, ce que je fais, c'est déjà de me demander ce que la typo... en soi, elle évoque, ou elle m'évoque en tout cas personnellement. Donc là, par exemple, vous pouvez faire l'exercice, regardez juste la typo, la forme brute, et vous dire à quoi elle vous fait penser.
dans quel contexte on pourrait l'utiliser, par exemple. Donc, moi, la première idée que j'ai eue, c'était ça. Donc, bon, il ne faut pas se moquer de l'image, hein, mais c'est pour illustrer. Mais moi, je m'étais dit vraiment, ça fait trop penser à un truc ou de western. Donc, parce qu'en fait, il y a les gros empattements, là, l'espèce de gros bloc sur la base des lettres, bon, genre là, par exemple, sur le T. Et puis, franchement, quand on la regarde là comme ça, elle pourrait être pas mal pour un saloon, en vrai. Mais bon, un peu cliché. Du coup, je suis passé par une autre idée. Et la deuxième chose auquel j'ai pensé, c'était tout simplement le nom Egitto. Egitto, en fait, ça veut dire Égypte en italien. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être aussi cool de s'intéresser à l'Égypte ancienne, parce que, en plus, c'est quelque chose qui me fascinait un peu quand j'étais petit. Donc, j'ai commencé à dessiner des petits pictos qui ressemblent vaguement à des hiéroglyphes. Et je les ai intégrés à la typo qui existait de base. Donc là, elle a quand même pas mal changé depuis. Mais c'était juste pour voir comment ça pouvait réagir ensemble. Bon, au final, cette piste, en fait, on ne l'a pas choisie pour plein de raisons. Les gens, tout le monde n'était pas forcément d'accord avec cet axe. Mais il y a quand même pas mal de personnes dans l'équipe qui aimaient bien l'idée d'avoir des pictos, dont celui-là, qui trouvait assez cool. Donc, on a quand même décidé de l'intégrer au glyph set final. Donc, par exemple, si vous téléchargez Egitto, vous aurez ce petit signe quand même intégré à l'ensemble de la typo. Donc ça, quand on ne connaît pas l'histoire, on ne comprend pas. Et du coup, là... voilà, vous savez l'anecdote. Donc voilà, j'avais fait ces deux essais-là qui n'étaient pas forcément hyper concluants. Et donc il fallait que je cherche une troisième idée. Et je suis un peu revenu à ce qui était la base du projet Egitto. Je me suis souvenu en fait qu'il était aussi question de vernaculaire dans le dessin des lettres et du fait de partir d'un style typographique qui est assez commun en Italie. Solène, par exemple, elle a parlé du logo Ferrari, mais le style slap-serif égyptienne, on peut le retrouver dans plusieurs documents ou sur de la signalétique en Italie. Donc, par exemple, là, j'ai rassemblé des exemples. Donc, par exemple, on peut le voir sur des affiches de ciné, des pochettes, des couvertures de livres ou même sur un journal ou des devantures. Donc ça, en fait, je me suis dit que ce point de genèse-là, il pouvait être suffisamment porteur pour créer une identité qui soit cool, qui soit chouette à faire aussi. Donc, j'ai tout simplement décidé de mettre en scène Egitto autour d'exemples du quotidien, sur un peu tous les objets possibles. Donc mon objectif, c'était de montrer à quel point Egitto pouvait être vraiment polyvalent et attrayant dans toutes sortes de situations. Donc voilà, là on avait l'axe identitaire et j'étais plutôt satisfait. Mais du coup, l'étape suivante pour vraiment présenter à l'équipe quelque chose de solide, c'était de déterminer un peu ce qu'allait constituer l'ADN, si on peut dire ça, de mon identité graphique. Donc d'abord, j'ai commencé à choisir des couleurs. Ça peut sembler simple comme ça, mais donc j'ai choisi orange, qui n'est pas hyper orange là, mais je ne sais pas. Bon, c'est orange. Il y a violet et noir. Et après, j'ai réfléchi aussi au contenu que je voulais mélanger avec la typo. Je me suis dit que ça pouvait être cool de faire des petites illus un peu flat, vu que j'avais jamais fait ça. Et étape d'après, c'était de mélanger tout ça, tous les ingrédients ensemble, et de voir ce que ça donne. Et de tester, par exemple, ces composantes sur 2-3 images pour voir si ça tient la route et qu'après, je peux en faire des dizaines par la suite. Et donc là, j'ai présenté le concept et pour le coup, l'équipe a validé et a dit vas-y, go, développe. Donc là, j'ai vraiment commencé à travailler et à faire plein d'images. Donc, par exemple, j'ai mis Egitto sur des fausses couvertures de vinyle.
J'aime bien aussi, j'ai pas mal de livres sur les tickets, les tracks de rave, donc je me suis dit que ça pouvait être cool aussi de mettre dans ce contexte-là. Sur de la signalétique aussi, la signalisation routière, pourquoi pas. Après, je me suis dit que ça pouvait être marrant aussi de jouer avec la variabilité de la typo. Donc, je l'ai appliqué à une silhouette de camion, voilà, qui est un peu élastique et robuste en soi, un peu comme, comme la typo Egito. Et un peu, c'est un peu un côté marrant avec cette anime. J'ai voulu aussi montrer le côté dynamique d'Egito en la mettant en scène dans un contexte plus sportif, avec des espèces de banderoles de supporters. Et après, voilà le côté variable de la typo. Moi, je trouvais ça assez impressionnant, voire spectaculaire. Donc, je me suis dit que ça pouvait aussi peut-être correspondre à des affiches de théâtre, ou en tout cas, ce côté un peu drama pouvait être intéressant là-dessus. Donc, j'ai fait des fausses affiches encore. Et puis... J'ai fait ensuite des visuels beaucoup plus formels en noir et blanc pour créer des respirations, on va dire, entre tous ces microcosmes et ces images très colorées qui sont assez qui disent beaucoup de choses, quoi. Donc là aussi, je peux m'amuser à montrer le potentiel de la variable en faisant des petites expériences et en montrant ce qu'on peut faire avec. Et c'est assez cool, en fait, de voir tout ça. Je trouve que, justement, Egito, ça se prête bien à ce genre d'anime. Ça fait des choses très visuelles et très impactantes, je trouve. Voilà, une autre anime. Et donc... À la fin, quand je produis toutes ces images-là, j'arrive avec environ une trentaine de visuels qui sont créés. Donc ceux que vous voyez là, c'est ceux qu'on a fait pour Instagram. Mais en soi, il y a d'autres visuels qui sont rectangulaires. Donc il y a des visuels qui sont fixes, mais aussi animés. Le but, en fait, de créer tout ça, ça sera de pouvoir que tous ces visuels ils s'adaptent à différents supports de communication. Et donc d'être assez flexible, en fait. Par exemple, le premier support de communication, ça va être Instagram, qui est un support assez important pour nous. Il y aura aussi notre site internet. Donc là, on est par exemple sur une page de fonte, donc sur la page Egito. Et quand on slide vers le bas, on peut voir ces images-là qui sont un peu comme des inspirations pour les clients. Donc vous pourrez voir les images des autres typos sur notre site internet. Et le dernier média par lequel on passe, qui est aussi très important pour nous, c'est la newsletter. Donc en gros, c'est un mail qui est envoyé à tous nos... particularités, où on raconte un peu l'histoire. Ce thème-là, c'est rendre la typo qu'on vend intelligible et attractive. Et donc là, ça va être tout l'objectif de mon travail, de faire ça.
Et donc, pour m'assurer que je relève ce défi d'être à la fois attractif et instructif, en général, je fais cohabiter deux types d'infos dans mes images. Donc il va y avoir le côté, l'aspect graphique qui est le plus flagrant que vous avez vu. Mais il y a aussi un aspect technique. Donc si on regarde déjà l'aspect graphique, donc, comme je l'ai dit, c'est celui qui saute aux yeux. C'est celui qui va capter en fait, l'attention du public grâce à des codes imagés et colorés. Il va vraiment raconter une histoire visuelle autour de notre typo. Globalement, en fait, le graphisme il va accompagner la lecture de l'image, il va vraiment servir de repère à la compréhension. Ça va aussi guider le public en mettant en scène la typo. Ça peut aider, par exemple, les clients à s'imaginer des contextes d'utilisation. Par exemple, là, on pourrait mettre Egito sur un maillot de foot, pourquoi pas. Bon, là, voilà, c'est une espèce de pochette un peu de jazz. Vraiment, Egito, on peut le mettre partout, quoi. Et à côté de ça aussi, il va y avoir donc l'aspect technique qui est en soi présent dans les images graphiques, mais que là, je vais un peu extirper de celle-ci. Donc, ça va être vraiment parler d'informations que les puristes de la typographie connaissent très bien. On va aborder des thèmes qui sont historiquement présents dans les spécimens typo. Donc, par exemple, on va aborder les aspects du design. Donc, je vais un peu mettre en avant ce qui fait l'identité de Egito, ce qu'on va trouver dans la typo. Par exemple, montrer les différentes graisses, les châsses, donc tout ce qu'elle a fait, en fait Solène avant, il faut que je le montre. Si la typo est variable, il faut montrer... ces différents axes et jusqu'où elle va. Bon, avec ce genre d'image aussi, par exemple. Et avec ce genre d'anime que vous avez déjà vu. Voilà. Mais pour un peu appuyer tout ce que je viens de dire, je voulais aussi vous montrer un truc que j'ai dans ma bibliothèque. C'est des spécimens typo qui datent du XXe siècle. Donc ça, c'est il y a le titre là-haut, là, c'est, ils ont réédité je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, des facsimilés qui datent entre 1900 et 1930. Et l'objet est assez cool, et c'est pas très cher, donc si vous voulez, ça se trouve facilement. Donc là, ces facsimilés-là, ils viennent de la fonderie de Bernie Peignot, qui n'existe plus, enfin qui n'est plus en activité. Et en général, c'est des documents qui étaient envoyés aux imprimeurs. Donc si on en prend un, par exemple celui-ci, et qu'on l'ouvre, on s'aperçoit que déjà, ils s'amusaient à mettre en scène la typographie en proposant des contextes d'utilisation comme restaurant du Petit Riche ou cette pub-là pour une marque de sport ou un encart publicitaire. On n'a vraiment rien inventé avec l'identité graphique ou le fait de mettre en scène les images. C'est vraiment un truc qui est commun. Quand on ouvre aussi le facsimilé, on a une sorte de poster comme ça qui est aussi hyper, hyper beau. Là, je vous en montre juste un deuxième. Ils ont imaginé que la typo elle pourrait promouvoir par exemple des marrons glacés ou des fruits confits. J'aurais jamais fait ça parce que je déteste, mais pourquoi pas. Et donc là, quand j'ai fait toute cette identité graphique que je vous ai présentée avant, j'ai fait une grosse partie du travail. En gros, j'ai fait 70% de la mission. Donc ça fait plaisir, on peut se féliciter, mais c'est pas fini, puisqu'il faut encore développer cette campagne de communication sur encore 3 supports médiatiques. Mais globalement, ça sera quand même plus rapide et beaucoup plus simple parce qu'on a plein d'éléments déjà en place. Donc, en fait, si on utilise aussi plusieurs médias, c'est parce que chacun porte un discours différent. Ils ont tous pour objectif de présenter Egito, mais ils ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Donc, on va un peu adapter à chaque fois le discours pour que tout le monde comprenne.
Donc le premier objet que je vais devoir faire en plus, vous devez déjà connaître un peu, vous devez déjà le connaître, et c'est un spécimen encore, qui est dans un format PDF, mais qui est beaucoup plus formel et qui a son contenu est beaucoup plus classique. Il n'y aura pas du tout de partie graphique, mais c'est ça, ce PDF-là, il va être accessible via notre site web. En général, tous les fonderies typographiques ont un PDF un peu comme ça. En général, il est plutôt destiné aux professionnels de la typo ou aux agences de communication. Donc, on va retrouver encore les choses que je vous ai montrées avant, mais vraiment toutes les infos techniques, ce que comporte la typo, le glyph set et la typo qui est mise en page dans différentes tailles, en texte ou en titrage. Donc, c'est vraiment histoire de se rendre compte du potentiel de la typo et ce que ça donne dans plusieurs utilisations différentes. On peut aussi montrer les différents systèmes d'écriture là-dedans, s'il y en a. Bon, Egito n'a pas d'autres systèmes d'écriture, donc je ne le montre pas. Donc, ça, c'est le premier objet. Le deuxième, ça va être encore un spécimen, mais qui a un petit twist graphisme. Donc là, on va remettre des images que j'ai faites pour la com. Donc là, par exemple, j'en ai amené, mais je me déplace. Je sors du cadre. Je vais vous en donner et vous pouvez vous les faire passer et regarder un peu ce que ça donne. Donc, je te le donne, Egito, mais il y en a d'autres. Tu les fais passer. Donc là, le format, il sera imprimé. Il y aura un poster sur la double page. Et en fait, globalement, cet objet-là, on va l'utiliser comme objet de fidélisation auprès des clients. On va l'envoyer par la poste aux gens qui achètent nos typos ou à nos copains. Et enfin, la dernière chose que je dois faire, c'est un petit article Behance. Donc ça a l'air de rien, mais on utilise aussi pas mal ce média-là parce que il parle plus au profil de graphiste, des illustrateurs ou aussi des typographes parfois. Donc il y aura plus un arc narratif sur ce type de sur ce réseau-là où on va privilégier les animes aussi. Et bah voilà. Du coup là, comme vous avez pu vous en rendre compte, en fait les différents objets que je produis, ils se répondent les uns aux autres. Ils offrent tous une manière en fait d'accéder à l'univers typographique qu'on va vendre. Donc, ils offrent tous une manière d'accéder à l'univers d'Egito. On va juste ajuster les curseurs pour s'adresser à différentes personnes, comme je vous l'ai dit. Mais globalement, il va toujours y avoir un petit côté technique et souvent graphique aussi. Donc voilà. Là, on a terminé la campagne de communication. Donc, je vais pouvoir retrouver Solène pour trinquer à cette sortie et avant de dès le lendemain refaire un autre projet. Repartir sur un nouveau projet. Voilà. Donc on a fini notre présentation. On vous propose, si vous avez des questions, de nous les poser ou de juste de discuter, je sais pas, de sujets qui vous plaisent. Oui. Donc, si c'est des questions sur la conférence ou si c'est des questions autrement sur d'autres sujets typographiques, graphiques. Ouais, ça peut être sur même sur les projets qu'on a présentés au tout début, les projets pour les clients. Si vous avez des questions sur comment ça se passe, n'hésitez pas à nous demander, on vous répondra. Ou sinon, bah non. Mais... oui. Attends, ouais. Je vais laisser un micro. Ça prend combien de temps à faire un alphabet complet ? Eh ben, c'est variable. Ça peut être très rapide. Après, une fois que tu as dessiné l'alphabet complet, c'est plutôt les ajustements de l'alphabet qui vont prendre du temps. Donc toute la partie où on a des feedbacks avec l'équipe, donc les retours de l'équipe, on peut en avoir énormément en fait, au final. Donc pour dessiner un alphabet complet... c'est, si tu parles en termes d'un seul fichier, ça peut être assez rapide, mais si tu parles en termes de famille, ça peut être assez long, parce qu'un paramètre va en impacter un autre. Et donc là, pour le cas d'Egito, la typographie au global,
Je pense que ça a bien mis un an à se développer, mais on n'y travaillait pas tous les jours. Donc en fait, il y a un processus un peu de maturation aussi. Ouais, parfois, on prend une typo et après, on la laisse un peu de côté. On avance sur d'autres sujets. C'est pour ça que ça prend pas mal de temps parfois, mais on n'a pas passé un an tous les jours dessus. Sinon, c'est hyper long. Non, c'est vraiment quand on s'y met. Des fois, on se décide que la typographie, elle doit sortir. Et donc, on a une deadline. Et au moment de la deadline, il faut qu'elle sorte, en fait. Donc, c'est plutôt à partir du moment où on se pose des objectifs que là, on va avancer plus rapidement. Mais sinon, on peut avoir toujours quelques typographies sous le coude en plus de nos autres projets et avancer doucement. Moi, c'était plutôt une question, du coup, pour toi qui es graphiste. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans une fonderie et de mettre en valeur de la typo ? Plutôt que de travailler, je sais pas, dans une agence de pub ou des trucs. C'est une bonne question. non, en vrai, j'ai rejoint Black Fonderie en tant que stagiaire pour découvrir la typo au début. En fait, je voulais dessiner des formes typographiques parce que je venais d'une école plus graphique. Du coup, j'avais pas trop d'expérience pro. En tout cas, je savais pas comment travailler une fonderie typographique. Du coup, j'ai commencé un peu à dessiner avec eux. Et puis, rapidement, j'ai plus basculé vers le graphisme parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien faire de la typo, mais pas trop. De faire un petit peu de typo, mais j'aimais bien quand même le graphisme. Donc, après, ouais, ça s'est fait naturellement, quoi. Question ? Je vais retourner à ma place. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions. Pas d'autres questions, ouais. Ouais. On s'arrête là. On vous dit merci. Bah oui, merci pour votre attention en tout cas. Ouais. Pour conclure, merci beaucoup Robin et Solène. Merci aux étudiants qui étaient présents. Je voudrais juste préciser pour ceux qui sont là ou ceux qui nous regardent que les conférences de notre cycle, et notamment celles-ci, sont captées, retransmises, en l'occurrence en live sur YouTube, mais que voilà, elles seront à nouveau disponibles en vidéo après coup. Je pense qu'Alexia vous a annoncé la conférence suivante, la conférence du cycle, mais je le redis, donc ce sera le 26 octobre, pareil à 18h, ce sera cette fois sur l'histoire des logos et des monogrammes. Merci à tous, à bientôt.